Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, je vais faire un nouveau rendez-vous puisque je suis actuellement chez France Loisirs depuis peu et donc j'ai fait ma première commande et il vient d'arriver. Donc j'ai pris juste un livre, voilà, parce que ça va être Noël, parce que je sais que je vais faire, je pense, pas mal d'achats. En tout cas, je vais, voilà, je pense que pour Noël, je vais avoir pas mal de choses. Donc je n'ai pas voulu trop en commander, je me suis donc juste commandé un petit livre que je vais ouvrir aujourd'hui devant vous. Donc c'est parti. Voilà, donc en fait c'est un simple carton, voilà, avec une lettre, bon, je regarderai ça après. Je vais y arriver. Sais pas en fait. Voilà. Donc voilà, on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Et donc, il s'agit de, je sais pas si on voit bien, voilà, Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Walpigel, donc aux éditions France Loisirs. C'est un bon pavé, je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça. Donc voilà, donc je vous avoue que je ne me souviens plus trop du résumé. C'est une histoire fantastique. Je sais que certains m'ont parlé, mais je me souviens plus parce que ça fait un petit moment. Un petit peu déçu peut-être par la qualité des pages, qui n'est pas top top. Voilà, c'est un souple. C'est très souple même. Voilà, hein. Mais sinon, la couverture est divine. Donc, prix de l'imaginaire 2015, comme on peut voir là. Voilà. Sinon, voilà, donc la couverture est juste superbe. Elle est magnifique. Et donc voilà, je suis impatiente de lire. Je ne pense pas que je vais le lire ce mois-ci. Voilà, ça va sûrement attendre janvier. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais le lire pendant l'hiver. Ça, c'est, voilà, c'était un peu pour ça que je l'avais acheté. Parce que je sais pas, la couverture me fait tout de même penser un peu à l'hiver, à la nuit, tout ça. Donc je pense que je vais le lire encore cet hiver. En tout cas, je suis super contente de l'avoir eu. Je suis impatiente de le lire. Ah, superbe! Voilà, ce qui était dedans, c'est donc un petit marque-page qui va avec. Ah, je suis super contente. Ah, c'est classe, il est super beau, il est vraiment sympa. Donc voilà. Et c'était mon premier unboxing. Je pense que je vais le faire du coup à chaque fois que je vais recevoir un colis de chez France Loisirs, parce que même si je sais ce qu'il va y avoir dedans, puisque c'est moi qui l'ai commandé, je trouve que c'est intéressant de l'ouvrir devant vous, surtout que comme là par exemple, je me souviens plus du tout du résumé, donc ça reste voilà une découverte quand même, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, si vous voulez que j'en refasse un la prochaine fois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!